l'histoire de J.J. James. Comment a-t-il vécu? Comment a-t-il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore, hein? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie et Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle, et son prénom c'est Bonnie. Eux deux, ils font le gang Barrow. Leur nom, Bonnie Parker et Clyde Barrow. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Faut croire que c'est la société qui me l'a définitivement abîmé. Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur les mois? On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage ou qu'une banque se fait braquer, pour la police, ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow et Bonnie Parker. Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé, dans les trois jours, voilà le tac-tac-tac, les mitraillettes qui reviennent à l'attaque. De ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. De toute façon, il pouvait plus s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Et plus d'un les a suivis en enfer.